Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. 12e jour. État des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, exaucez les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois pour la consolation de nos frères les morts et procurez-leur un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix. Écoutez aussi la prière que ces âmes du purgatoire vous adresseront pour nous, afin que nous obtenions désormais par leur entremise les grâces que nous vous aurons demandées. Elles nous sont unies par les liens de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une charité spirituelle et toute divine comme nous. Elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême, et nous pouvons dire en vérité que le même Saint, celui de l'Église, nous a portés et que nous sommes enfants de la même mère, comme nous aussi, et peut-être à côté de nous. Elles ont pris place à la table des anges et elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence qu'elles sont malheureusement captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes, et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Nous leur devons assistance. Ne sont-ce pas là des droits incontestables à notre compassion et à notre amour? Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doit-il pas en être de même des enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes et surtout chrétiens, nous fusions insensibles à leurs maux? Aimons-les comme nous-mêmes. Aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés. Alors nous les soulagerons, nous les délivrerons. Mes petits enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir. N'aimons pas seulement en parole, mais véritablement, en le prouvant par des actes. Elles nous sont unies par les liens de la fraternité. Parmi ces voix qui appellent, ne retrouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée, que l'amour avait uni et que la mort a séparé, la voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans vos veines. Ce cri du sang, cette voix de la famille, que vous dit-elle? Viens, viens à mon secours. Il y a si longtemps que je t'appelle. Je n'ai que toi, et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlants abîmes. Viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité, viens. Comment résister à ce cri de détresse, à ce pressant appel? Savons-nous si nous n'avons pas contribué à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés? Exemple. En 1864, un artiste juif, converti pendant un sermon sur l'Eucharistie, avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa mère qu'il entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point, cependant, sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnant libre cours
à ses plaintes. « Seigneur, disait-il, je vous dois tout. Il est vrai, mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime. J'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang, je l'use donné de même. Et vous, Seigneur, vous, l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyre. Le murmure va s'exhaler de mes lèvres. » Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe son oreille et dit « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présenté à elle et à ma vue, elle s'est écriée « Mon Seigneur et mon Dieu ». Relève donc ton courage, ta mère a évité la damnation et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. Le père Hermann apprit bientôt par une seconde apparition que sa mère montait au ciel, priant beaucoup pour nos parents défunts. Prions. Miséricorde Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez uni par les liens si doux, si étroits, et que vous me fassiez un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de mes bienfaiteurs, de mes amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que je vous offre pour elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Intention de prière. Suppliant le Père de délivrer les saintes âmes du purgatoire. Suppliant le Père d'adoucir la rigueur de sa justice envers eux. Suppliant le Père de délivrer particulièrement les âmes des prêtres, des religieux et des religieuses, les âmes des membres de nos familles, de nos connaissances et amis. Par la suite, présentons notre intention, celle que nous portons dans notre cœur. Est-ce un mariage, la grâce de l'enfantement, un travail, une guérison, une délivrance? Prions avec confiance, prions avec ferveur et demandons l'intercession des saintes âmes du purgatoire après avoir prié pour leur libération. Faisons une dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les litanies des fidèles de faim. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui es Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui es Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez-leur propices, pardonnez-leur Seigneur. Soyez-leur propices, exaucez-nous Seigneur. De tout mal, délivrez-les Seigneur. De votre colère,
délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes, expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Le Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Salve Regina. Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leur aspiration brûlante à vous voir.
Ayez pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de votre patience, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'ils abrègent leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Le De Profundis. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous. Seigneur, écoutez ma prière. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur, car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.